Les derniers jours du président Macky Sall au palais présidentiel du Sénégal se passent mal. En réalité, dans cette journée du vendredi 29 mars 2024, une bagarre a éclaté en la présence du chef de l'État sortant, Macky Sall. En vérité, le ministre conseiller Ousmane Sow a été conduit ce vendredi à la brigade de Tiong suite à une bagarre qui a éclaté ce matin entre lui et un homme d'affaires malien du nom de Ousmane Yara. Joint au téléphone alors qu'il était en route pour la brigade de Tiong, Ousmane Sow confie à IGFM que cette invitation fait suite à une sortie médiatique qu'il a eu à faire contre le président Macky Sall. Ne sachant pas quoi lui faire, il lui aurait envoyé l'homme d'affaires malien Ousmane Yara, qui serait un bras droit du président Macky Sall, pour le provoquer. Selon ses propos, lorsqu'il est venu à son bureau qui est au palais présidentiel ce vendredi 29 mars 2024, on lui aurait envoyé l'homme d'affaires malien Ousmane Yara pour l'insulter, lui reprochant sur le soutien du président Sall à la candidature au candidat Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Il a répliqué et l'homme d'affaires malien Ousmane Yara lui aurait donné un coup de poing. Selon ses propos, il a aussi répliqué aussitôt à l'homme d'affaires et son coup de poing a écroué l'homme d'affaires au sol. Par la suite, le président Macky Sall aurait donné des instructions fermes pour qu'on la back pour la brigade de Tiong. Ousmane Sow est déterminé à aller jusqu'au bout dans cette affaire. D'ailleurs, il a déjà instruit son avocat, Maître Mustapha Baye, nous rapporte IGFM.